Ah, je vais essayer de faire ne serait-ce que la quête principale d'Oblivion, mais le contenu additionnel aussi. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours, et mon existence, ses dernières heures. Alors, je dois spécifier, c'est en partie pourquoi ça m'a motivé à enregistrer en fait cet opus de la grande saga The Elder Scrolls. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais acheté sur Steam la version GOTY, Game of the Years, dans laquelle est inclus l'intégralité des contenus additionnels qui avaient été développés par Bethesda, hein, voilà. Donc c'est en gros, il y a, si je dis pas de bêtises, en dehors de l'histoire principale, il y a 7 quêtes secondaires, mais des grosses, un grand contenu d'aventures supplémentaires. Et à l'époque où j'avais acheté sur ladite plateforme de jeu cet ensemble, il se trouvait que c'était uniquement dans la langue de Shakespeare. Donc j'avais acheté en version anglaise le jeu. Et là récemment je me suis amusé à me dire tiens je vais faire des tests à faire fonctionner sous Linux. Et au moment où j'enregistre cette vidéo je suis sous Linux. Donc c'est cool. En plus j'ai un... Comme j'ai mes petites cartes graphiques là, les 710 GT, après avoir perdu ma superbe GTX 460 qui a cramé et qui est mort de sa belle mort. Bref, je m'en sors bien, j'ai le minimum de 30 images secondes, donc ça passe. Bon, j'ai fait quelques tests hier, par moments ça s'effondre à 15 images secondes, mais bon, c'est pas la mort. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en réinstallant depuis Steam, j'ai remarqué que j'avais le choix de la langue. À ma grande surprise, alors que j'ai bel et bien acquis la version anglaise, ce qui fait que je me retrouve le fessier entre deux chaises. C'est-à-dire que je vais avoir le jeu et l'histoire principale en français, mais des extensions dans la langue de Shakespeare. Et je trouve ça pas plus mal, pour deux raisons. La première, c'est que moi, ça va me permettre de distinguer le contenu additionnel du contenu principal. Je trouve que c'est pas plus mal qu'il y ait un peu d'anglais en plus du français en colonne vertébrale. Ça me séduit, comme même si vous, ça pourrait vous permettre de bugger. Pourtant, c'est quelque chose de souhaité de ma part. Je trouve ça génial. Et je voulais apprendre et réviser la langue de Shakespeare en achetant en plus le jeu en anglais. À l'époque, j'avais été motivé pour ça. Et je trouve que c'est pas plus mal, voilà, qui est... Ça va être cohérent, enfin cohérent, peut-être pas forcément, mais ça va être, comment dire, plus facile à capter, à comprendre. Et c'est vrai que j'avais été en partie démotivé, j'avais déjà fait une partie où j'étais...
j'étais dans la confusion en fait. À un moment, je m'étais lancé dans une des extensions alors que j'avais à peine démarré la quête principale. Et bref, ça m'a cassé dans l'immersion et dans la vie de poursuivre. Pourtant, c'est immensément riche comme titre vidéoludique, mais voilà quoi. Donc là, je vais essayer vraiment d'aller loin. Même mon compteur, on le voit en bas à gauche. J'ai un potentiel de 1000 épisodes, et encore que l'épisode 0 il sera pas publié parce que c'était mes tests d'hier, mais je peux aller jusqu'à 999. Et je vais essayer de faire au moins 1 heure par épisode minimum. Certains épisodes, à mon avis, pourront faire 4 heures voire plus. Donc, allez, je choisis un nom, tout. Ah là 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 là, là va y avoir des choix, c'est génial. Ah, je serais tenté de jouer un haut elfe. Ouais. Ah, si j'incarnais une femme, ce serait pas pour me déplaire. Avec un prénom féminin que j'aime bien, c'est tout trouvé. Allez, je vais l'appeler Déborah. Ou alors j'aurais pu prendre le prénom où c'est que j'aime bien du côté de la Bretagne qui est Gwendoline. Ah, Gwendoline. Je fais un mélange des deux. Gwendolibora. Non, non, non. Ah, Gwendoline, ouais, j'ai envie d'essayer. Ah, c'est sympa, je trouve. Ouais. Ça me plaît bien. Oula. Ah, pas mal. De la barbe. Ah ouais, enfoncée, elle fait stylée. Ah, j'aime bien. Ah ouais, comment qu'elle fait flipper comme ça? Putain, j'aime bien. Rouge à lèvres. Non, je déconne. Ah, pas mal. Oh, Natauvent, pas mal. Un nœud coquin, queue de cheval, ouais. Natauvent, je trouve ça stylé. En gris, en charbon, en noir, en blonde. Blond doré, acajou,
Noir bleuté, oh là là. En blonde, je trouve que c'est pas mal. Ah, en court ou en long? Ah, elle est en super long, je suis fou. Je la fais super. Ah, les yeux marrons. Oh oh oh, la blonde aux yeux vieux, attention! Non, marron, ça lui va magnifique. Alors, je la rajeunis ou je la vieillis? Oh putain! Pardon! Je m'auto-choque! Allez, le culte de l'éternelle jeunesse, elle a trouvé la formule de jouvence. C'est une haute elfe, après tout. Oh le teint. Oh là, oui, elle est. Oh, elle est bien comme ça, bien en chair. Je trouve que ça lui va bien. Elle a quelque chose de jovial et d'apaisant. Ah oui. Ah oui, alors là, il va falloir gérer. Alors, hier j'avais la manette, aujourd'hui je ne l'ai plus. Donc je vais me retrouver au clavier. Tiens, regardez l'élégante jeune Aldmer. Et où est votre dignité maintenant, hein? Alors, où est passé le port dédaigneux des hauts elfes? Vous savez, je sors bientôt d'ici. Je serai bientôt libre. Et vous resterez dans ce trou à rats en attendant votre exécution. C'est exact. J'ai entendu parler les gardes. Vous allez mourir ici, aux elfes. Vous m'entendez? Vous mourrez ici. Eh, vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Morus, verrouillez cette porte derrière. Oui, monsieur. Mes fils. Ils sont morts, n'est-ce pas? On n'en sait rien, monsieur. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, ils sont morts. Je le sais. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, je... Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre Rien chemin. Rien n'a dit qu'on était espionnés, Ne bougez monsieur. Pas, prisonnier. Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force! Mais que se passe-t-il? Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Mais pourquoi suis-je en prison? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Mais oui, bien sûr, si on prenait un café ensemble. L'endroit est si agréable. Derrière vous, il y a de quoi faire une séance SM entre nous. C'est horrible. Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Que dois-je faire? Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises
avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir. Je dirais que c'est votre jour de chance. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. L'aventure va commencer. À gauche. Protégez l'empereur. Le capitaine est mort. On est prêt pour le dragon. Ce n'est que le commencement. Le pire reste à venir. Est-ce que ça va, sire? Tout va bien pour le moment. Capitaine Renaud. Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons continuer à avancer. Comment ont-ils pu nous attendre ici? Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Nous ne serons pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. En route. Restez ici, prisonnier. N'essayez pas de nous suivre. Le Mimi, par contre on voit qu'elle est bien en chair, quand tu vois les bras et les poings, elle est bien, non mais c'est cool, je sens que ce perso va me plaire. Elle est pas vilaine, elle est pas vilaine, ah, c'est bien, c'est rigolo, là elle fait paysanne là. C'est amusant.
mince. Ça y est, je vais encore me battre avec les commandes. Alors hier c'était avec la manette et je m'en étais bien sorti, mais je l'ai plus ce matin. J'aurais jamais dû déconnecter la manette, bref. Et là, le temps de refaire au clavier, désolé, mais ça va être un peu chaotique comme premier épisode. Ouais, c'est pas la mort, parfois j'ai 15 images secondes, mais bon, c'est pas des scènes. Dans les rats que j'ai zigouillés, il n'y en a pas beaucoup qui ont de la chair. Ah, quand même. Que de la bouffe, il m'en faudra. C'est un coffre, ça. Ah, c'est chiant cet effet de... Oh putain, il m'a fait faire ce con. Ah, j'ai eu les chocottes. Oui, c'est chiant le coup là de... Ça se barre tout seul en haut à gauche. Ça, j'ai pas réussi à parer le problème. Je sais pas d'où ça vient. Je dois avoir un bug dans l'interface Linux au niveau des périphériques, mais... j'ai pas trouvé. Ah, le crochetage. Le sacro-saint crochetage. Ça, je fous ça dans le coffre comme j'en ai plus besoin. Ouais, mais je vais pas garder mes menottes. Par contre, c'est faire de la magie. Je sais plus comment je fais de la magie. Ah. Il faut que je retienne que c'est la touche C. Mais c'est une boule de feu, c'est pas une torche.
Oui, bah je vais reprendre le sort de soin. Hein. Là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a encore un énième sous-sol. Oui, j'en ai marre de collectionner des gourdins là. Je crois qu'il y a un état. Ah oui, c'est le cœur, c'est l'état de la. Je vais garder les gourdins, on sait jamais, pour peu que mon épée casse. J'ai entraîné à faire des sons. J'aime bien le cri. C'est bon ça. Sexy. Mais il y en a combien? Ah, ils se battent entre eux, ça c'est cool. Pas lumineux du tout.
c'est sûr. Qu'est-ce qu'en faire, tiens? Merde, je porte trop de charge. Mais non! Ouais, je pense bien que je suis encombré. Et je fais comment pour le jeter, moi? Aïe 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 aïe. Non. Quoique si j'ai besoin de vous, mais... Ah, soupir. Alors, le fait de se débarrasser... Merde, j'ai pas vu. Ce serait s'élancer. Non, mais non, c'est les sorts. Non, c'est pas ça. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Je veux bien alterner là. Voilà. Alors. Comment je fais pour m'en débarrasser, bordel? Il est marrant, lui. Ah, oh, j'avais pas vu.
Oh, mais ça commence mal. Je fais comment pour me débarrasser de ce surplus? Oh, je suis tristesse.